Alors, on va voir si tout marche bien comme d'habitude. Ouais, réception. Et c'est parti. Donc bonjour à tous, à toutes. Ici The ZDTM, on se retrouve pour un nouveau live en multi. Pour l'instant, je suis tout seul, mais normalement, voilà, il y a Bartus qui m'a dit qu'il arrivera un petit peu plus tard. Il y a peut-être Frontard qui va rejoindre tantôt. On verra tout ça. En tout cas, voilà, ça s'annonce pour être le dernier live officiel, voilà, de cette série. Voilà, tout du moins. Puisqu'ensuite, on va arriver dans le temps des fêtes. Donc ça m'étonnerait. Le prochain live serait pour quand là? Pour voir. Le prochain serait le 25. Voilà, ça m'étonnerait qu'on ait eu un live le 25. Et ensuite, ça serait le premier. C'est à peu près la même chose. Voilà, ça serait étonnant qu'on en fasse un ces jours-là. Donc voilà, ça va ressembler à ça, à mon avis. Donc ça sera le dernier. Ensuite, ça se peut que j'en fasse d'autres entre à d'autres journées. Voilà. Pas le 25, pas le premier. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres à ces moments-là sur cette map, voilà, pour voir l'avancement, parce que cette map va être mise en continu, voilà, donc après ce multi, tout le monde pourra accéder à la map, bon, bien entendu avec les mods, comme d'habitude, mais il n'y aura pas besoin d'être sur les horaires du live, on va laisser le serveur ouvert, comme ça tout le monde pourra venir faire ses modifications, venir rajouter tout ce qu'il voudra, et ça permettra d'avancer la map un petit peu, voilà, le temps qu'on arrête la série. Alors la fusée est rendue à 99%. Je vais quand même les attendre pour lancer la prochaine. Je vais être gentil. Par contre, je me demande, est-ce que je pourrais pas faire un autre silo à missiles? Il me faudrait des éléments de moteur. On va commander ça pour voir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, un petit peu de tout. Je sais pas exactement. On verra. Aussi un truc qu'il faut regarder. Vous me direz. Voilà. Vous me direz. Comment est en ce moment la diffusion, comment tout se passe, parce que j'ai légèrement modifié la façon dont je fais les vidéos, si on veut, bon, pas vraiment, mais j'ai modifié la façon dont j'enregistrais Factorio. Voilà, d'habitude j'avais plein écran, cette fois il est pas en plein écran, il prend juste une partie de mon écran, et sur les côtés, comme ça je peux avoir accès aux commentaires plus facilement, tout ce qui est indice de diffusion. Oh, ok, bon, c'est automatisé tout ça, faut croire. Attends, ça doit passer en rouge alors. Non, faut le passer au rouge. Voilà. Lancement. Comment ça se fait que c'est automatisé maintenant? Je vois même pas de fil nulle part. Ok, non, c'est pas automatisé encore. C'est juste que c'est. Ok, c'est juste qu'elle se lève. Ok, je me souvenais plus qu'il y avait une animation pour ça. Bon, je suis surpris, mais c'est pas grave. Hop, on va en placer un autre ici. Ensuite, on va compléter tout ça en dessous. Voilà, on manque des petits trucs en dessous, mais c'est pas grave. Donc voilà, que je revienne à ce que je disais avant. Donc c'est ça, la partie sera accessible à tout le monde qui voudra venir modifier des trucs avant d'arrêter la série. Et comme ça, je pourrais, quand je repasserai, il y aura plus de modifications que si personne n'avait pu y accéder. Ça sera un peu mieux. Donc voilà. Ça c'est le petit message. Je pense aussi peut-être passer de. Là en ce moment on est sur YouTube Gaming, hein, à chaque fois quand je fais des lives. Je compte peut-être passer sur Twitch. Voilà, c'est une possibilité. C'est pas certain du tout. Hein, c'est une possibilité que peut-être je pourrais passer sur Twitch dans le futur, au courant de l'année prochaine. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et ici il manque les bras à rajouter parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Ok, et là, bon, celui-là, on peut l'enlever. Ça, je pense que c'est bon. Voilà, tout marche. Les deux vont pouvoir se charger, comme ça, on va pas manquer de production de ce côté-là. Ça sera bon. Petit truc qu'on pourrait peut-être aller faire au dernier épisode. Voilà, j'ai enlevé la pollution parce qu'il y a toujours trop de pollution. On voit plus rien nulle part. C'est horrible quand même notre pollution. Je sais pas comment on fait pour polluer autant. Pourtant, on est vert, on va se le dire. On est. Bon, là, non, c'est pas la bonne touche. Quand on regarde là, on n'est que sur l'énergie solaire. Depuis, voilà, quelques jours, là on avait un petit peu. Mais sinon, on est pas mal que sur l'énergie solaire. Donc, c'est assez étonnant quand même qu'on pollue autant. C'est toutes ces machines ici, voilà, 0,9 de pollution à chaque fois. Elles en font un petit peu. Même si elles sont électriques, elles en font un petit peu. Oh, pourquoi il y a un barrage de train ici? Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui-là.
Attends, je pense qu'il manque un hop. Je pense qu'il manque une connexion ici, tout simplement. Voilà, cela passe. Oh, ils sont pas sérieux. Pourquoi cela va pas en bas? Ouais, cela est bloqué parce que lui a rien. Ah, parce que lui, le calculateur lui dit d'aller en haut. Ce qui le bloque. Ok, bon, ça c'est bientôt vidé normalement. Voilà, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, on va mettre ça ici. Alors le deuxième arrive. Voilà, et normalement là, tout devrait se débloquer. Il y a combien de trains pour le cuivre? Ils arrivent quand même chargés, mais ils sont vraiment nombreux. Bon, ça doit faire un petit moment parce que le serveur était parti depuis un petit moment. Si ça se trouve, le problème s'est créé un petit bout et on l'a juste pas vu augmenter. Normalement, il devrait... Voilà, c'est juste que c'est un peu plein de ce côté-là, donc ça se vide pas très très vite. Donc, vite, on va juste le renlever encore une fois. Et alors, le mettre là. Voilà, tout simplement, le mettre dans les autres, ça sera bon. Ici, lui, ça va faire la même chose, bien entendu. Hop. Tac. Pourquoi j'ai pas le reste? Ah, ok, tout le reste a été mis ici. Bien entendu, non, je veux pas le jeter. Ok, il me permet pas de le garder pour de vrai, c'est un peu énervant. Voilà. Mais voilà, comme ça, lui va pouvoir se vider, c'est correct. Un autre qui est allé en bas, et là, le bouchon a l'air d'être parti. Ok, alors ça serait cette ligne ici qu'il faudra agrandir en tant que telle ou faire une espèce de double voie. Je sais pas. On n'a pas vraiment la place pour le faire de ce côté. Alors, ça sera, à mon avis, ça sera déplacer, faire un truc comme j'avais fait ici au dernier live. Ça pourrait assez bien marcher, voilà, puisqu'il y a pas mal plus de place. En plus, puisque tout est remélangé, il n'y a pas d'entrée-sortie préférée. Ils n'ont pas besoin d'arriver à une sortie plus qu'à une autre. En tout cas, ça c'est ça. Sinon, je vais faire des petits radars, juste histoire de pouvoir... bon, j'en ai déjà plein. Histoire d'avoir des informations sur ce qui se passe ici, puisque je viens de remarquer qu'on n'avait pas de radar. Voilà, prenez tout ce que j'ai, c'est bon. On va en placer un autre, tiens, ici. Ça c'est très bon. Bon, là ils viennent me chercher, ils viennent chercher tout ce que j'ai sur moi. Il reste encore un petit peu de matériaux. Voilà. Hop, on va passer ici. Le pétrole, je pense pas qu'on pourra faire grand chose pour le temps qui reste. Voilà. Ils peuvent juste venir vider ce qui reste, ça serait gentil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, hein, c'est la question quand même. Là, j'ai un petit peu parlé sur plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Ce côté-là, je sais pas si on a besoin d'avoir plus de fer. On aurait besoin d'avoir plus de d'entrée de fer, je pense, plus qu'autre chose. Quoique là, ça a l'air plutôt plein. Ce qui est un très bon signe, ça. Voilà, 4 lignes complètement pleines. Ça se passe très bien de ce côté-là. Ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Pourquoi ce train repart pas? Ah, c'est wagon vide. Il est pas vide? Ah, il est vide pourtant. Ah, 30 secondes ou wagon plein. C'est moi où il est inversé. Ah, ok, il va de défaire à défaire lui. Ok. Bon, on va l'enlever, hein, alors. Hop. Ça, je voulais pas l'enlever. Voilà. Ok, je sais pas ce que faisait ce train-là. Je sais pas comment il a pu se rendre là, mais bon, ok. On va accepter ça. Ici, oh, ça, je prends. Je prends tout. Je veux pas gêner du tout. Ça, ici. Voilà. Il n'y a pas de charbon. Ok, il reçoit pas de charbon. Bah, tiens, cadeau. J'en ai pas trop besoin. Sinon. Oh! Grenade à fragmentation. Ça, c'est joli. Oh, on se fait détruire une tourelle. Bon, tant que c'est qu'une seule. On va pas avoir trop peur. Où est-ce que je la mets? Où est-ce que j'ai de la place pour la mettre? Tiens, toi, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh, salut, Frontard. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. A pas l'air sûr, ça. Un peu malade.
suis en vacances, donc je suis malade. C'est bien ça. C'est la loi du travail. En tout cas. Donc je m'en vais tester les grenades à fragmentation parce que ça faisait un... Il faut les lancer très près de soi. Très près de soi, oui, c'est ça. Une chance que j'ai une armure, hein, je pourrais tester, mais quand même, voilà. Hop. Voilà, c'est assez efficace. Maintenant, testons les dommages très près de soi. Oh non, ça m'a même pas explosé dessus. Non, pas encore, ok. Je suis pas assez proche. Bon, ça fait pas très mal. Ouais, non, ça fait pas très très mal. Mais c'est joli, par contre, ça fait des belles explosions. Oh oui. C'est pour ça que j'ai lancé le craft automatique. Oh, Mr. Azix qui rejoint. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Donc. Hop. Salut Mr. Azix. Bonsoir. Hop. Alors ici, on a une petite gare. Ok. Tard arrive. Ouais, on a rendu à avoir énormément de bases de cuivre un peu partout. Ça fait un bon petit moment que je suis pas venu, moi. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est un petit peu compliqué puisque, bon, moi le dimanche soir, je peux pas forcément venir à cause des cours le lendemain. Ouais. Mais bon, là, c'est les vacances donc on en profite. Ah, moi, c'est pas encore les vacances. Pas tout à fait. Bon, je vais aller faire un petit mur, tiens. Un petit mur de l'autre côté, il en manque à peu près deux à faire et toute la base sera sécurisée. Donc pour le moment, c'est ça, un peu les objectifs principaux. Ouais, bah, il y a un peu de tout en ce moment, mais toujours manque de ressources, à mon avis, qu'il y a en entrée, mais sinon pour le reste, c'est pas mal bon. Donc, il me faudrait... Bah, je pense que le problème, c'est que pour l'entrée, c'est peut-être pas forcément un manque de ressources, c'est peut-être le fait qu'il me semble que ça, au final, c'est transformé que deux voies en quatre voies, non? Non, maintenant on est quatre en entrée. Ok, donc ouais, ça, non, ça en fait, ça serait plutôt que quatre lignes en entrée, c'est pas toujours suffisant maintenant. Oui, en fait, faudrait constamment qu'il y ait un train qui soit là. Il faudrait qu'il y ait trois ou quatre trains pour chaque ressource sur la même voie, comme ça il y a à chaque fois qu'il y a un train qui est parti se remplir, il y en a un autre qui est vide. En fait, il faudrait le charger plus, disons, aux deux tiers de la voie pour que ça marche mieux, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en entrée, ouais, c'est plein. En entrée, c'est quatre voies complètement pleines. C'est juste que ça se vide assez vite avec les engrenages, les circuits, etc., etc. Et ensuite, ouais, puisque tout s'en va, bon, maintenant c'est moins pire, tout s'en va en acier. Là, l'acier est pas mal plein, donc c'est correct. Mais on a aussi un problème de pétrole, donc voilà. Le plastique arrive plus très très vite en ce moment. Un des multiples problèmes, on va dire. En fait, par contre, j'ai même pas fait attention. Oui, vous avez déjà lancé une fusée. Oh, on en a lancé deux. Là, il y en a une troisième qui attend, je pense. Si c'est pas une quatrième, je sais plus. On en a quelques-unes. Ok. Alors, est-ce qu'on avait une production de tourelles normale? Oui, normalement. Parce que j'ai tourelles laser, je crois. Ouais, tourelles laser, j'ai pris, mais tourelles normales, je vois plus. Peut-être ici, non. Voilà, il n'y a plus de plastique nulle part. Ah oui, tourelles. Ok, parfait, 500 tourelles. Et il va me falloir des munitions. Alors, oula. J'avais déconnecté à l'endroit d'un assembleur.
Ça t'as-tu bugué à l'intérieur? Non, non, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Ok. Ouf, on est rendu avec 15 000 munitions. Pas de soucis là-dedans. C'est perturbant de voir que des tapis bleus. On a les moyens maintenant. Mais c'est surtout que j'ai une partie avec un ami où qu'on a commencé il y a même pas 2-3 jours, donc on est à peine au tapis rouge encore. Ouais. Bon, ça, les Enfin, tapis on rouges, c'est suffisant en tant que tel. Oui, c'est vrai, mais. Alors, un petit train. Alors. Et on est parti. Ah oui, c'est vrai que j'étais toujours à la quête de ma méga armure. Ah, tu l'as pas encore. Mais je crois qu'on Bah, a si quelque chose. Ouais, tu je l'as? l'ai, mais c'est que j'ai pas terminé de la remplir. Ok. Mais je crois qu'on a quelque chose en bas pour ça maintenant. Alors je vais faire un mur tout le Bah, long il me faut surtout ici. des processeurs en fait. Ça, je sais pas si on en a. C'est toujours une bonne question. Si c'est bon, je viens d'en trouver. Oh bon, tant mieux. Bon, est-ce que j'avais une auto déjà? Une auto. Ouais. Ok, pourquoi? Voilà. Il voulait pas se placer. Alors je conduis toujours aussi bien, mais cette fois je suis assez loin de la base, je devrais pas être en danger. Ah oui, c'est vrai, niveau plastique, ça a un petit peu de mal. Il Voilà. Ah oui, sympa la petite production de une barre d'acier. Ouais, on a un petit peu amélioré ça. Un petit peu. Alors, ici, toi là. Voilà. Où est-ce que je vais placer le mur? Ah, il faudra à peu près ici, quoique. Si on fait ici, ouais. Ah oui, mais il y a beaucoup de circuits rouges ici, il y a plus de 6-4 circuits rouges en Ouais. stock. Ouais, c'est un petit stockage à côté pour ceux qui en ont besoin. Alors, Si attends, je vais je parle de ce que construire. tu parles. Oui, bah de juste tout en bas, il y a un Oh ouais, coffre. c'est ça. Alors. Donc, que voulais-je? Le mur. Moi, voilà, mon mur. Est-ce que j'ai pris assez de... Ah oui, j'ai assez de robots pour, c'est Ah ouais, c'est plutôt tranquille niveau module niveau 3. bon. bien entendu, c'est pas relié à l'électricité, tout ça. Donc, j'allais le relier aussi. Hop. Ok. Un petit mur de compléter. Hop. Alors ça c'est toujours aussi intéressant. Moi qui fais 10 km dans le noir pour aller placer 3 fils électriques. Il y a quand même de sacrés nids. Ouais, ben on pollue tellement. Malheureusement. Est-ce qu'on a d'autres recherches à faire d'ailleurs? J'en ai pas, ouais, bon. C'est pas des super Ah, recherches. Il reste bah une recherche en c'est la fait. dernière, je crois. Ouais. Ouais. Ah non, oui, ok, d'accord. Ouais, bah nombre maximum de robots de combat. Ouais, bah si, ça peut toujours être cool. Même si on utilise pas mal que les tourelles pour attaquer. Oh, sympa le petit design pour les modules
les circuits rouges. Ouais, c'était. Je sais plus qui était venu le faire, mais c'était assez bien. Hop, et est-ce que c'est relié à tout le réseau électrique, ça? Normalement, ça devrait. Si je clique là, ouais, parfait, c'est relié à tout. Et voilà. Alors, ouais, en vrai, je pense que du coup, Hop. je pense que limite ça peut valoir le coup. Je sais même pas, enfin, après avoir terminé les recherches, rapidement de couper la production de fioles bleues, ça fera déjà une consommation en moins en circuit rouge. Ouais, mais il nous reste quoi? Il nous reste une. Je crois que c'est 25 niveaux de recherche qu'il y a pour cette technologie-là. Donc il nous en resterait Ah 15. non, 20. 20. Ah ouais, la dernière demande quand même 2600. Ouais, ça coûte assez cher. 2400, 2200. Ah ouais, c'est 200 de moins à chaque fois. Mais c'est ça. Mais de toute façon, une fois qu'on aura fini la recherche, ça va se couper tout seul d'une certaine façon. Je veux dire, l'installation, ça toujours là, mais ça va pas. Ça va pas coûter plus cher s'ils seront juste déjà là. Ça, il va me falloir un coffre de stockage. Parce que je vais faire comme ce que Bartus avait fait. Je vais pas amener. Je vais pas dire aux robots d'aller jusqu'à là-bas, sinon ils vont jamais s'y rendre. Ouais, par contre, j'ai pas de robot. J'ai pas de robot logistique. Il va falloir que je les amène à un moment donné. Alors, où est-ce qu'il est? Pourquoi il est plus là, mon plan? Ah, il est là. Bien entendu, si dans la forêt. Donc il faut tout nettoyer ça. Ah, où sont mes tourelles? J'en aurais besoin. Ah, voilà, elles sont là. Non, c'est pas mes tourelles, ça. Ça, c'est pas mes tourelles. Hop, voilà. Ça va laguer. Pour moi. Oui, je le sens. Je sais vraiment pas pourquoi. Il y a presque rien. Voilà. Allez. Réparation. Ouais, ça le problème de faire le mur, à chaque fois il faut tuer 1 million d'aliens. Pourquoi est-ce que je les ai pas sur moi? Ok. Voilà. Si tu veux à peu près où je suis, il y a du pétrole. Je sais pas si c'est le. Ouais, c'est pas mal le plus proche qu'il y a. Je sais pas s'il y a Ouais, une. bah je vais peut-être essayer de ramener un train par là. Je sais pas s'il y a une bonne quantité par contre. Bah après, ça fait toujours ça. Ouais, bah c'est quand même pas mal mieux que les autres. Sachant que là, les autres, à peu près, la moyenne c'était 50%. Ceux-là, on monte jusqu'à 100. Ah oui. Du coup, j'utilise pour ramener un train, j'utilise par le rond-point qu'il y a déjà un peu plus bas. Un peu plus haut, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, le croisement qu'il y a, il y a un croisement Ouais. qui va faire faire SO. Donc Ouais. je prolonge à gauche. Ouais, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des rails quelque part? Normalement, il y en a. Ah oui, là. Normalement, ça, c'est pas un souci. Qu'est-ce que je pensais? Toi, Frontard, tu travailles sur quoi? Il y a les trains de cuivre qui sont bloqués. J'en ai Ouais, plein. tantôt pareil, ça m'a fait la même chose. C'est parce qu'en fait, ils attendent pour aller à 1 et ensuite ils coincent sur le côté. C'est parce qu'il y en a un qui est rempli en bas. Le plus proche de Suite. toi, à droite, il est complètement rempli à chaque fois. Ah Donc il ouais, vide bah. pas assez vite. Hop.
c'est nettoyé. Ah oh, oui, ici, il y a pas mal d'artefacts. Il y a 20k d'artefacts. C'est pas mal. Hop, hop. Voilà. Et continuons le mur. Voilà, j'aurai pas assez de murs, je pense, mais ça on verra sur le. On verra tout ça plus tard. Bon, j'ai plutôt une bonne vitesse maintenant avec 4 exosquelettes. Ouais. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Enlever le petit bout de forêt. Hop. Et voilà, plus d'arbres. Hop. Oups. Oups, oups, oups. J'arrête pas d'énerver les aliens. Pourtant c'est marqué sur ton canon de fusil. Deviens en paix. Je sais pas pourquoi, ils sont violents à chaque fois, juste. J'arrive, je rase leur forêt à côté, et voilà, d'un seul coup ils paniquent. C'était même pas les approcher avec mon fusil pourtant. Voilà, ça c'est nettoyé. Ok. Ouais, j'ai plus du tout de batterie après tout ça. Faudrait tellement pouvoir creuser les lacs pour prolonger, faire des rivières. Il y a des modes qui permettent de le faire. Ça, je le sais, mais ouais, je sais pas. Ça pourrait être utile, sauf qu'en même temps, c'est super puissant si tu décides de juste te séparer complètement des aliens. Allez, on lance la recherche suivante. Ouais. Donc. Ok, voilà. Allez, on va tout ramasser ça. J'ai vraiment pas. Il faudra un autre réacteur à fusion sur moi. T'en as combien là déjà? 2. Oui, moi 2 ça me suffit. Ouais, mais puisque j'utilise énormément de robots, ils arrivent à me vider ça en 2 secondes. C'est ça le problème. Alors. Hop, voilà. Puisque quand j'attaque, à chaque fois je déploie 200 tourelles, les ramasser avec tous les robots, ça leur fait ramasser les 200 tourelles plus les munitions à l'intérieur, et sur le coup, ben, ça fait pas mal de trucs à ramasser. Hop. Voilà. D'ailleurs, ça va être le temps de faire...